J'ai deux informations importantes à vous partager. La première concerne ma démission au poste de président de l'association de clubs professionnels de football du Gabon, bien entendu. Après 12 ans d'exercice, ce jour, prenez acte de ma démission pour des raisons d'éthique. Pour des raisons d'éthique. La deuxième concerne les élections à venir au poste de la présidence de la Fédération gabonaise de football. Dans un mois exactement, le mandat du comité exécutif de la FEGAFOOT, de la Fédération gabonaise de football, va arriver à son terme. Vous, comme moi, avions fait le constat que quelque chose ne tourne pas rond dans le football gabonais. En effet, notre ballon rond dans le football gabonais, mais ovale. Cette déformation du genre se traduit par des dysfonctionnements organisationnels et fonctionnels. En un mot, notre sport roi est plongé dans un état comateux qui semble irréversible. Mais lorsqu'on aime son pays, lorsqu'on aime le sport, lorsqu'on aime le football, lorsqu'on respecte les Gabonais, lorsqu'on respecte les standards nationaux et internationaux, et lorsqu'on craint Dieu, on ne doit pas accepter la fatalité de notre football. On ne doit pas accepter l'incompétence. On ne doit pas accepter l'impunité. On ne doit pas accepter l'opacité. On ne doit pas accepter le favoritisme. Par contre, on doit s'inscrire dans l'espérance. On doit s'inscrire dans le renouveau. On doit s'inscrire dans une nouvelle vision. Autrement dit, faire du football gabonais une institution forte, transversale, qui doit véritablement intégrer les vertus du sport. Mesdames et messieurs, je viens vous proposer ou proposer au football gabonais une nouvelle vision du football construite autour des standards nationaux et internationaux. Une nouvelle organisation articulée autour d'un cadre juridique conforme à nos statuts, à règlements et à ceux de la FIFA. Un nouveau management bâti autour des règles de gestion transparentes. Mesdames et messieurs, pour ces raisons, je viens ce jour, jeudi 1er mars 2018, vous annoncer de manière solennelle et au nom de l'équipe de campagne qui m'accompagne, ma candidature au poste de président du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football.